L'expérience sportive est de plus en plus liée à l'innovation digitale. Au World Mobile Congress, à Barcelone, les professionnels du monde sportif ont présenté leurs tout derniers investissements pour fidéliser leurs supporters. En Formule 1, par exemple, les fans ont bien fait savoir qu'ils voulaient mieux comprendre l'homme derrière la machine et ressentir les frissons de la course. On a plusieurs flux en direct autour de la voiture. Il y a 24 flux vidéo dont vous pouvez carrément choisir la caméra embarquée de votre pilote préféré et suivre sa course sur votre écran. C'est la preuve qu'on peut aller très loin dans cette démarche. La Formule 1 a organisé cette année des événements lors desquels les passionnés ont pu rencontrer les pilotes et n'a pas lésiné sur la technologie. Un des outils favoris des entreprises sportives pour fidéliser les fans, ce sont les jeux vidéo, comme celui-ci de Formule 1. En tant que fan de Formule 1, j'ai adoré l'expérience. C'est super, j'invite tout le monde à essayer, on s'y croirait vraiment. Le FC Barcelone est le club le plus suivi sur les réseaux sociaux. Il veut maintenant consolider cette base en faisant appel aux émotions. En tant qu'entreprise sportive, nous avons un grand avantage. Les supporters veulent nous accompagner. Je ne connais personne qui veut accompagner une banque ou une entreprise de télécommunications. Dans le sport, il y a toujours une dimension émotive.